Et sur mes malos sera maladie vel moi et sera au sur mes mora infilme los ramir et sera mes malgré mora ou tel savo et sur mes mora infilme malazo et sera milo et sarvo. Yes, et guetera mes molle coin. C'est le passeport de qui? C'est pour qui? C'est pour moi. Hein? C'est pour moi, Dadi. Et le numéro 6, c'est quoi dans le passeport? C'est que le passeport a expiré. Ça a expiré. Ça a expiré. Et vous n'avez jamais voyagé avec? Jamais. Donc, j'ai fait le passeport jusqu'à ça expire. C'est 10 ans, non? C'est 5 ans ou 10 ans? 5 ans. 5 ans, vous n'avez pas voyagé. Tout ce que j'ai entrepris concernant le voyage a raté. Ah! Donc, et vous m'avez apporté votre passeport qui a expiré. Oui, parce que j'ai envie de... J'ai un nouveau truc que je veux relancer concernant la Turquie. La Turquie. Vous voulez voyager? Oui, je veux aller en aventure en Turquie. Donc, vous avez apporté ce passeport comme un point de contact. Oui, pour un point pour de contact. Pour une relance. Hein? Pour une restauration de votre... Oui. Ok. Yes. Lève ta main, tends ta main vers ce passeport. Est-ce que j'ai déjà causé avec vous un jour? Vous me connaissez quelque part? Juste, je vous vois juste à la télé. Vous me connaissez à la télé. Lève ta main vers le passeport. Quand Dieu le délivre, Dieu te délivre aussi. Amen. Dis ô Dieu. Ô Dieu. Nous demandons une seule chose. Nous demandons une seule chose. Restaure notre frère. Restaure notre frère. Et ouvre-lui les portes du voyage. Et ouvre-lui les portes du voyage. Au nom souverain de Jésus. Au nom souverain de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, vous voyez. Nous avons des gens qui viennent consulter le prophète. Yes. Si tu as un problème que tu ne comprends pas, prie chez toi, viens à l'église, vois le prophète, dis quelle est la pensée de Dieu par rapport à mon problème. Vous comprenez? Ou alors, comme il a fait, quand je passe, arrête-moi. Arrête-moi en fait. Est-ce que vous comprenez? Je ne dis pas qu'arrêter jusqu'à déchirer les vêtements. Ça dit, je veux dire. Quand je dis arrête-moi, ça veut dire que fais en sorte qu'on sache que tu es là. Comme le jeune homme a fait. Yes. Maintenant, regardez. Regardez. On vous a pris beaucoup d'argent ici. On vous a escroqué l'argent pour le voyage. Avec le passeport ici. Vous avez investi l'argent, les gens. On dit qu'on va vous faire voyager. On n'a pas. On n'a pas fait. On vous a pas fait. Ça n'a pas abouti. Hein? Ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. Donc on ne vous a pas remboursé votre argent. C'est ça, c'est ça. Est-ce que je peux vous annoncer une bonne nouvelle? Yes! Oui, Dadi. Je peux vous annoncer une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Dadi. Oui. Supposons qu'il n'était pas venu à la nuit de prière. Qu'est-ce qui se serait passé? On allait toujours lui manger. On allait lui manger beaucoup même. Yes. Regardez, j'ai une bonne nouvelle pour cet homme, ce jeune homme. Amen. Parce qu'il est venu consulter le Dieu que je sers. Yes. Le Dieu que nous adorons ici en Dogbon. Nous allons le faire voyager. Amen. Yes. Qui croit en ça? Qui croit que Dieu est capable de le je faire? Je crois. Regardez. Vous voyez, est-ce que vous pouvez faire un nouveau passeport? Oui, c'est ce que vous pouvez faire un nouveau passeport. Je voulais... Est-ce que vous pouvez faire un nouveau passeport? Oui. Est-ce que vous avez l'argent pour faire un nouveau passeport? Non, présentement, non. Vous n'avez pas l'argent pour faire un nouveau passeport. C'est ça? C'est ça, Dadi. Tenez. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Yes. Il n'a pas l'argent, n'est-ce pas? Mais il y a un miracle qui est en train d'arriver. Amen. Il y a un miracle. Yes. Il y a un miracle. Regardez. Quand vous avez commencé à vouloir voyager, vous avez commencé à vouloir voyager, il y a un jeune homme qui a voulu vous aider pour le voyage. Il y a un jeune monsieur qui s'appelle Alain. Alain qui vous a dit qu'il connaît quelqu'un qui peut vous faire voyager. Exactement ça. Et Alain vous a introduit chez Mohamed. Et c'est Mohamed qui devait vous faire voyager. Vous lui avez versé l'argent. C'est ça, il vous a dit qu'il va vous faire voyager.
Et les choses ont tourné. Après, vous avez commencé à appeler Mohamed. Il ne prenait plus le téléphone. Son numéro, c'était le 1-699-99-99. Yes! C'est ça? C'est ça. Jusqu'aujourd'hui, vous appelez le numéro, ça ne passe plus. Hein? Même plus. Ça passe même plus. Vous ne voyez plus qui? Si vous ne voyez plus Mohamed, d'accord. Mais regardez. Est-ce qu'il y a un moyen pour moi de connaître que votre âge était chez Mohamed ici? Vous avez dit ça à quelqu'un? Non, personne ne connaît même cette histoire, en dehors de ma famille. En dehors de votre famille? Oui, c'est ça. Vous êtes ici avec qui? Je suis ici là chez ma grande soeur. Non, ici à l'église? Non, mon grand frère, il est parti même. Ok. Donc, vous confirmez que ce que j'ai dit est la vérité? Oui, c'est ça, c'est ça. Yes. Mohamed a votre argent? Il a mon argent. Mmh. D'accord. Il va vous appeler. Amen! Oh my God! Yes. Il va vous appeler. Il va vous demander pardon. Amen. Et vous, il va vous appeler avec votre numéro MTN 677 70 0 quelque chose 06 1 et quelque chose à la fin. C'est votre numéro 1 2. Ah! Je ne voulais pas finir. Jesus. C'est vous-même qui avez fini. Je ne voulais pas finir. Maintenant, tout le monde a votre numéro. Donc, Mohamed va vous appeler. Alain va d'abord vous appeler. Mohamed va vous appeler pour vous demander pardon. Amen. Et il va vous dire pardon, viens chercher ton argent. Amen. Et à l'heure où je suis en train de parler, yes, comme je parle ici, les anges sont en train de le tourmenter. Il est en train de dormir. Amen. Yes. Il est en train de dormir. Alors je parle. Yes. Les anges sont. Il est en train de tourner comme ça dans le lit. Comme je parle. Comme nous venons à la prière ici là. Les anges sont en train de le menacer, lui disant. Maintenant, regardez. Je vais vous aider. Je vous aide. Yes. J'ai vu une fille qu'on appelle Sylvie. Qu'on appelait Sylvie. Hein? J'ai vu une jeune fille que vous aimiez. Avec qui vous étiez. Qu'on appelait Sylvie. Avec qui vous vous êtes séparés. Et alors je parle, elle est en train de revenir. Elle vous dit qu'elle vous aime. Bébé, chérie, pardonne-moi. Vraiment, je ne sais pas pourquoi j'étais parti. Je reviens. Parce qu'à l'époque, vous vouliez voyager avec elle. Elle est même pas présente. Hein? Elle est en Turquie, c'est elle que je vais venir. Elle veut que je vienne la rejoindre là-bas pour le travail. On l'appelle comment? Mighty God. Yes, 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 yes. Prophesy, papa. Prophesy. Yes. Je vais vous donner un conseil. Hein? Vous voulez aller chez Sylvie? C'est chez elle que vous voulez partir? Pas totalement chez elle. C'est juste que c'est à cause d'elle encore que je reviens encore avec le dossier de voyage, vu qu'on m'avait déjà arnaqué la première fois. C'est derrière elle encore. C'est elle qui me remet encore les histoires de voyage dans la tête, vu que j'avais perdu de l'argent la première fois. Elle vient juste de pour la Turquie. Comme ici, c'est elle qui me met encore, qui m'excite encore le voyage dans la tête. On l'appelle comment? Pardon, monsieur. Elle s'appelle comment? Sylvie. D'accord. Regardez. Dieu vous aime trop. Amen. Elle est malade. Elle a le VIH. Aïe. Aïe. N'acceptez plus avoir des rapports sexuels avec elle. Mm. Sinon, vous allez mourir. Yes. Parce qu'après votre séparation, elle est retournée avec Booba, son ex. Elle vous parlait de Booba. Elle vous disait qu'elle aimait. Oui, que c'est un ami comme ça. Elle m'avait jamais dit qu'ils étaient en relation. On l'appelait comment le monsieur? C'était Booba. Booba. On l'appelait comment le monsieur? C'était Booba. Booba. Oui, c'était son. Yes. Son ex. Mm. Elle est retournée avec lui. Et quand elle a connu Booba, une fille qu'on appelle Amina. Et il s'était séparé de Amina et il s'est mis avec Sylvie. Entre temps, quand Sylvie retourne chez Booba, Amina était déjà passée. Amina a eu le VIH, elle a donné à Booba, Booba a donné à Sylvie. Et Sylvie
Voici vos données. Fire. Dieu vous aime. Bon voyage.